مش فاهم بس مثلا بص يعني واحد يفرح بيه. لا 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 Bon, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le diapo? Très bien, donc. Très bien, donc je peux commencer. Donc, comme vous voyez, notre dernier cours d'aujourd'hui, la biodynamique basique crânienne. C'est le dernier cours. Par la suite, on fera deux séances de suite pour vous répéter la morphogénèse des arcades dentaires, le premier cours. Donc, commençons d'abord par celui-là, dernier, avec lequel normalement on termine le programme de troisième partie. La biodynamique basique crânienne. Laissez-moi vous mettre en garde que c'est un cours qui nécessite un peu d'imagination. Très bien. Notre plan est le suivant. Une petite introduction. Par la suite, on va voir l'influence de la croissance de la base du crâne sur la face. J'ai parlé souvent de cette influence de la base du crâne sur la face.
parce que je vous ai dit dans les premiers cours de la croissance basique crânienne que la face est appendue à la partie antérieure de la base du crâne et à la partie aussi postérieure. Donc, si on a n'importe quel mouvement au niveau de la base du crâne, il se répercute d'une façon ou d'une autre sur la face et sur la mandibule. Par la suite, on va voir le concept de la mobilité crânienne. Aperçu sur la biodynamique de quelques pièces osseuses et ses répercussions sur les autres pièces. Et on va voir comment se détermine la classe 1 squelettique, la classe 2 et la classe 3 squelettique. On était dans le plan, donc on a parlé dans le plan, on a dit établissement. Voilà, le plan. On va voir comment déterminer la classe 1 squelettique, la classe 3 et la classe 2 squelettique. Détermination de la classe 3 squelettique suite à une hyperflexion de la SSO. La SSO, c'est la synchondrose sphéno-occipitale. On va parler beaucoup de cette synchondrose qui est d'importance capitale. Et détermination de la classe 2 par extension de la SSO, je répète toujours, c'est la synchondrose sphéno-occipitale. Comme introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que dès les premières années de la vie, les sutures de la base du crâne se sénostosent. Je vous rappelle, se sénostosent, ça veut dire se soudent, ne sont plus actifs. Donc, on ne peut pas solliciter la croissance par le mode sutural. La suture, elle n'est plus active. Et la croissance, à leur niveau, se termine. Je vous cite quelques exemples. Par exemple, la synchondrose intra-occipitale qui disparaît vers l'âge de 5 ans. La lame criblée de l'ethmoïde sourcifiée ou se sénostose vers l'âge de 3 ans. La suture métopique, médiane, reste active jusqu'à l'âge de 2 ans. Seule, donc la majorité ne dépasse pas les 5 ans. Seule la SSO qui persiste au moins jusqu'à la puberté et plus, et elle constitue un site de croissance très important. Donc c'est une suture qui se situe à 5 ans entre sphénoïde et l'os occipital. Maintenant, influence de la croissance de la base du crâne sur la face. Le concept de mobilité. Donc, cette influence est due à un phénomène de mobilité. Donc, on peut, c'est-à-dire donner l'exemple des pièces de puzzle. Lorsqu'on déplace une pièce, le reste se déplace avec. Donc, c'est la même chose pour toutes les pièces de la masse crânio-faciale. Si on va déplacer une pièce au niveau de la base du crâne, au niveau de la face, il y aura répercussions sur les autres pièces osseuses.
Donc, la flexion ou la pliure des os de la base du crâne permet le remodelage de celle-ci. Le remodelage, c'est-à-dire donne la forme. Donc, ce phénomène de mobilité va donner la forme à l'os. Cette flexion n'a pas le sens, n'a pas la même amplitude plutôt, ni la même vitesse. Donc, elle est variable d'un individu, d'un enfant à un autre. C'est clair et net. On a le facteur génétique qui entre en jeu, facteur fonctionnel, etc. Par contre, nous savons que la flexion de la base du crâne a de l'influence sur la face, sur les maxillaires et sur l'occlusion. Donc ça c'est clair. Vous imaginez la base du crâne et on va voir les schémas. La base du crâne, ou la face, on a dit, elle est appendue à la partie antérieure. Donc, si on a un phénomène de flexion minime, important, extension, fermeture de cet angle, se répercute d'une façon ou d'une autre sur la face. Quand on dit face, c'est les deux maxillaires. Quand on dit les deux maxillaires, la mandibule qui est liée à la partie postérieure par les ATM, et donc ça va changer et modifier l'occlusion. La relation entre la flexion de la base du crâne et les maxillaires semble s'établir avant l'âge de 5 ans. Logique et claire, parce que les sutures se synostosent justement avant cet âge, selon Nanda et Klock. Donc voici la base du crâne. Donc ethmoïde, sphénoïde, occipital. La partie frontale. Donc, vous voyez ici qu'on a des légendes. J'essaie de faire diapo, ça sera plus clair. Donc, d'après les légendes, on a tout ce champ. C'est un champ crânio-facial de la base. Donc, il fait partie de la face, crânio-facial. Deux, c'est un champ rachidien de la base. Donc, on a deux parties, le 1 et le 2. Un qui nous intéresse beaucoup plus, qui va nous modeler la face avec ses deux maxillaires et l'occlusion, un plutôt. Et le deux, il est en relation avec le rachis cervical et le cou. Trois, c'est un angle sphénoïdal. Donc l'os sphénoïdal, il est ici, il forme un angle. Donc on a l'angle sphénoïdal, comme vous voyez, peut-être moins, donc il se ferme bien, ou il s'ouvre de valeur importante, donc il est positif. 4. Le 4, c'est un angle antérieur de la base, celui-là. C'est un angle formé ici et peut-être augmenté comme il peut être diminué et donc il change par la suite la typologie faciale. L'équilibre architectural évolue toujours dans le sens d'une flexion de la base du crâne. La flexion, c'est-à-dire c'est ce mouvement. Ce mouvement, flexion. L'inverse, s'il s'ouvre, on appelle ça extension. Donc, c'est toujours en un dans ce sens, comme ça. Un angle ici qui se ferme et la flexion elle est variable. À des angles plus ou moins avancés, ça dépend. L'os sphénoïdal est l'élément inducteur de toute la biomécanique crânio-faciale. Ça, c'est à souligner. D'accord? C'est ça le plus important. L'os sphénoïdal est un élément inducteur de toute la biomécanique crânio-faciale. Donc, c'est cet os parce qu'il reste lié justement à l'occipital par une suture qui reste active jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est lui l'inducteur et c'est lui qui va dominer la biomécanique crânio-faciale. Aperçu sur la biodynamique de quelques pièces. Je vous donne quelques exemples. Toujours, on doit commencer bien sûr par la pièce maîtresse qui est le sphénoïde. Le sphénoïde, celui-là, le corps du sphénoïde effectue une rotation horaire. Rotation horaire, c'est bien sûr comme son nom l'indique, c'est-à-dire suivant l'aiguille d'une montre. Rotation horaire. Entraînant quoi? Une rotation anti-horaire du frontal. Frontal dans ce sens. Et de l'occipital dans ce sens. Et de l'ethmoïde autour de leurs axes horizontaux. Donc, on va voir les axes, que tous les axes sont des axes horizontaux. Donc, rotation horaire sphénoïde,
Résultat, rotation antihoraire, antihoraire de frontal, antihoraire de l'os occipital ainsi que l'ethmoïde. Le sphénoïde, le premier guide de la croissance maxillaire. Pourquoi? Justement, on va voir qu'il peut subir une rotation antérieure du sphénoïde abouti. Donc, voici la rotation. Donc maintenant, il faut imaginer un petit peu. Donc la rotation antérieure du sphénoïde aboutit à quoi? Aboutit à une rotation externe des maxillaires, droite et gauche, c'est-à-dire écartement des apophyses ptergoïdes. Donc celui-là, il fait une rotation antérieure ou rotation horaire dans ce sens. Donc on aura répercussion beaucoup plus sur la partie postérieure du maxillaire. Par quoi? Nous aurons un élargissement de l'arcade postérieurement. Donc, les deux, ils s'ouvrent ici, s'écartent. Donc, écartent avec lui la partie postérieure du maxillaire. Une fermeture, donc, il y aura une fermeture de la suture interincisive. Vous imaginez, donc, écarté de ce côté et écarté de l'autre côté dans le sens externe. Donc, il y aura fermeture de la suture médio-incisive. Et donc, réduction du prémaxillaire avec une voûte plate. La voûte plate, pourquoi? Parce que le maxillaire est élargi et large. L'inverse maintenant, dans le cas de rotation postérieure, c'est-à-dire antihoraire, tout ce qu'on a vu va être dans le sens inverse, aboutir à une rotation interne dans ce sens, interne du maxillaire. Dans ce cas-là, nous aurons... nous aurons une réduction de la distance des molaires temporaires, 55 et 65, par rapport à la ligne médiane. Tout à l'heure, on a parlé d'un élargissement, maintenant c'est réduction. Par contre, une augmentation de la distance des canines, donc la partie antérieure qui était tout à l'heure raccourcie, maintenant elle s'élargit par rapport à la ligne médiane, c'est-à-dire une arcade large antérieurement et étroite postérieurement, donc l'inverse. Nous aurons également une voûte palatine profonde, une flèche d'arcade longue, un prémaxillaire développé vers l'avant. La flèche d'arcade, c'est-à-dire c'est la longueur d'arcade. Quand on dit une flèche d'arcade, on parle de la longueur d'arcade. Donc nous aurons également une voûte profonde, parce que la partie postérieure, elle est courte. La partie antérieure est hyper développée, donc un palais étroit avec une voûte très profonde. Deuxième pièce, c'est le maxillaire. La rotation horaire du sphénoïde et la rotation externe du temporal vont amener le maxillaire à une rotation externe par l'intermédiaire du palatin du zygomatique. Aussi, vous devez bien imaginer. Donc, je répète, la rotation horaire du sphénoïde, qu'on a parlé tout à l'heure, rotation horaire dans ce sens, voilà. Et la rotation externe du temporal, vous imaginez, le temporal est là, il va effectuer aussi une rotation externe dans ce sens, vont mener le maxillaire en rotation externe. La même chose, donc même le maxillaire subit une rotation externe dans ce sens, divergente, par l'intermédiaire du palatin et zygomatique. Le palatin et le zygomatique, parce que le zygomatique lie le temporal à l'os maxillaire. Épine nasale antérieure. L'épine nasale antérieure, c'est cette partie. Donc ça, c'est une incisive centrale supérieure. Et là, c'est une épine nasale antérieure. C'est la partie antérieure de l'os maxillaire. Donc l'épine nasale, celle-là, est antérieure, en bas et en arrière, qui va donner un allongement de l'étage supérieur de la face. Donc cette épine nasale antérieure, vous voyez avec la flèche, elle va subir un déplacement en bas et en arrière, comme si une rotation horaire, donc ce qui va donner un étage moyen allongé, un étage moyen de la face important, parce qu'on a basculement de plan épinasal antérieur et épinasal postérieur. Okay.
Le temporal, l'axe de rotation de l'os temporal est horizontal et suit sensiblement le bord supérieur de la pyramide épitreuse. Donc, le sens, c'est l'os temporal, son action, ou plutôt, c'est pas non, son action. L'axe de rotation, il est horizontal, il n'est pas vertical, il suit le bord supérieur de la pyramide épitreuse. La rotation externe, on va voir trois cas de figure. Donc, on va voir dans le temporal, il fait une rotation externe, il fait une rotation interne, et dans le cas où une partie elle fait une rotation externe et l'autre partie fait une rotation interne, et quelles sont les répercussions sur la face. Commençons par la rotation externe du temporal. Dans ce cas, entraîne la partie supérieure de l'écaille s'écarte. Externe, c'est clair. Vous voyez cette partie de l'écaille, elle va s'écarter. Logiquement, donc, elle va augmenter, écarter avec lui l'os pariétal, et donc le diamètre transversal bitemporal augmente. Ici, répercussion sur maxillaire. On a un allongement de la flèche, donc quand il s'écarte, donc cette longueur, elle augmente, de l'arcade dentaire dans le sens antéro-postérieur. Bon. Dans le cas de rotation interne, l'inverse, donc les cavités glénoïdes, parce que le temporal est lié aux articulations temporomandibulaires, les cavités glénoïdes sont en position plus antérieure et latérale, donc ils vont rentrer dedans. Et donc, par la suite, par réponse logique, on aura écartement des branches montantes et raccourcissement de la flèche d'arcade dentaire inférieure. C'est l'inverse. Les ATM vont entrer dedans et donc, les branches montantes vont s'écarter. Quand elles vont s'écarter, donc cette distance ou la flèche ou la longueur, elle se rétrécit. L'inverse, donc si on a plutôt l'inverse, combinaison des deux à la fois, un côté rotation externe et l'autre côté rotation interne, donc on a une discoordination ou discordance ou la non-concordance des milieux interstitiels. Donc, on aura un milieu où la flèche est augmentée, un milieu où la flèche est diminuée, donc perte de la concordance des milieux interstitiels supérieurs et inférieurs. Passons à la détermination de la classe 1 squelettique. Donc, comment cette classe 1 normale se détermine? La classe 1 squelettique, c'est quoi? C'est pas la même chose que la classe 1 d'angle. C'est-à-dire, c'est pas le rapport entre les dents. C'est le rapport entre les bases osseuses. Elle s'appelle la classe 1 squelettique ou la classe de Ballard. Donc, le maxillaire occupe une position bien déterminée par rapport à la mandibule. Donc, on peut avoir une classe 1, par exemple, squelettique, et une classe 3 d'angle. Rien à voir, d'accord? La classe 1, donc une flexion modérée, il y a une légère flexion dans les normes. Modérée de la SSO aboutit normalement à l'élargissement d'une classe 1 squelettique qui se traduit par une rotation horaire du sphénoïde. Rotation horaire du sphénoïde. Une rotation anti-horaire de quoi? De l'occipital et de l'ethmoïde et frontal. La fermeture de l'angle sphénoïdal, donc vous voyez, diminuée, c'est fermé. Rotation externe du maxillaire et rotation externe du temporal, donc augmentation de la flèche. Voilà, rotation horaire du sphénoïde. Donc, une petite flexion. L'angle se ferme légèrement. Donc, la mandibule avance pour justement compenser cette avancement de la mandibule, donc le maxillaire aussi, par la rotation externe du temporal, la flèche, elle s'augmente, et donc on aura un rapport harmonieux entre maxillaire et mandibule. Voici ici. Donc la rotation horaire de sphénoïde, rotation anti-horaire de l'occipital, l'ethmoïde et frontal. Passons maintenant à la détermination biodynamique de la classe 3 et la classe 2 squelettique. Donc, la classe 3, par définition, c'est quoi? Hmm.
Bon, on laisse les questions à la fin de la présentation, comme d'habitude, d'accord? Comme ça, on termine notre cours. Donc, définition de la classe 3. La classe 3, je répète, c'est la classe 3 squelettique, pas la classe 3 d'angle. Par définition, c'est quoi la classe 3? Donc, vous pouvez voir qu'on a un profil. C'est une anomalie d'abord squelettique dans le sens sagittal, dont la mandibule est avancée par rapport au maxillaire. Donc, vous voyez que la mandibule est avancée par rapport à l'os maxillaire. Donc, résultat, elle se caractérise par un profil concave. Une classe 3 d'angle, mais pas systématiquement. Donc, la molaire, toute l'arcade inférieure avancée par rapport à celle qui est supérieure. Comment, justement, se forme, cette, si on peut dire, cette classe 3 squelettique? Soit par une hyperflexion. Donc, hyperflexion, il s'ouvre, l'angle, plutôt, l'hyperflexion, il se ferme complètement. Donc, l'angle se réduit. Donc, dans ce cas, dans le sens antéro-postérieur, on entre. Dans ce sens sagittal, on entre. Réduction de la croissance postéro-antérieure de l'étage supérieur de la face. Je répète, réduction de la croissance postéro-antérieure. Réduction de la croissance postéro-antérieure de l'étage supérieur de la face. Donc, l'étage supérieur, c'est le maxillaire. Le maxillaire est court. Vous voyez ici, on a négatif. Court. D'accord? C'est la mandibule qui domine. Parce que cet angle, c'est bien fermé. La partie antérieure, elle est réduite, courte. Une avancée du complexe mandibulaire, comme celui-là, il s'est fermé. Donc, hop, il pousse la mandibule vers l'avant. Migration de l'occipital vers l'avant. Il va y avoir avec l'occipital. Donc, ça est en avant et cette partie, elle se rétrécit. Donc, on aura mandibule imposante par rapport maxillaire. Aussi, on a fermeture de l'angle sphénoïdal et de l'angle nasion-célion-basion. Donc, ça, ce sont des signes céphalométriques, TLR, si vous vous rappelez. Donc, je répète, fermeture de l'angle sphénoïdal. L'angle sphénoïdal, elle est là. On a dit qu'il se ferme, c'est une hyperflexion. Il se ferme bien. L'angle nasion, nasion, normalement, il est là. Nasion, célion-basion. Cet angle, il se ferme. Rotation externe du temporal. Le temporal est là, il subit juste une rotation externe. La rotation externe du maxillaire et par conséquent de l'arcade supérieure va s'élargir tout en raccourcissant sa flèche antérieure. Donc on a parlé de ça tout à l'heure avec la rotation externe. Temporal, il fait une rotation externe. Donc l'os maxillaire s'élargit, voilà. L'os maxillaire s'élargit dans sa position postérieure, l'os maxillaire, celui qui est avancé, c'est la mandibule. Donc, il s'élargit et cette partie, le prémaxillaire, elle se rétrécit. Donc, il se recule par rapport à la mandibule. Et qu'on a un résultat comme résultat, mandibule plus avancée par rapport au maxillaire. Il y a compétition entre la rotation externe du maxillaire, dont l'arcade dentaire se raccourcit, la rotation externe du temporal qui propulse l'ATM et allonge l'arcade inférieure. Les rapports occlusaux du type 1 vont évoluer par la suite vers la classe 3. Aussi, on a dit ça tout à l'heure. Donc, compétition entre les deux. Quoi? Rotation externe du maxillaire qui est causée par temporal, par l'action du sphénoïde plutôt, l'action du sphénoïde. Ce raccourci et la rotation externe du temporal qui propulse les ATM aussi. Donc les deux vont pousser, changer les rapports de classe 1 vers la classe 3. Définition de la classe 2. Donc on a vu la classe 3, on va passer à la classe 2. La classe 2, donc, par définition, c'est quoi? C'est une anomalie aussi dans le sens sagittal qui se caractérise par une position postérieure de la mandibule par rapport au maxillaire. Donc, vous voyez que le menton, il est en retrait par rapport au maxillaire et en retrait dans le profil. Sur le plan occlusal, donc, on a les dents reculées par rapport au maxillaire, c'est-à-dire des rapports de classe 2 d'angle. Détermination de la classe 2 squelettique par une extension de la base du crâne. L'extension, l'angle qu'on a parlé, il s'ouvre.
C'est l'extension. L'angle, elle s'ouvre. Dans ce cas, l'angle sphénoïdal est ouvert. L'angle antérieur de la base est fermé. Cet angle, par la suite, il se ferme. Celui-là, il s'ouvre ou celui-là, il se ferme. La rotation horaire du sphénoïde, pas ou très peu sollicitée. Donc, cette rotation n'est pas vraiment sollicitée. La rotation interne du maxillaire ou insuffisance de rotation externe entraîne un écartement des apophyses montantes. La région tuberositaire ptéroïdienne se rapproche, donc la distance intermondaire supérieure diminue, bien sûr, ne forme une anomalie qui est connue sous le nom de endognathie maxillaire postérieure. Donc, le maxillaire, il est étroit. Endognathie maxillaire postérieure. La rotation interne du temporal ou insuffisance de rotation externe entraîne quoi? Des cavités glénoïdes sont plus écartées et se retrouvent dans une position plus postérieure. Et par conséquent, ces ATM positionnés en retrait vont disposer au retrait global de la mandibule. Donc, les ATM vont se placer derrière, donc nous donnent un maxillaire avancé et mandibule en retrait. Le cours est terminé. Posez vos questions. On a 8 minutes. Vous pouvez poser vos questions. Donc, première question, je ne sais pas quelle est la différence entre expansion et l'assouplissement. Bon, la première question sur comment se forme la classe 1 squelettique, c'est-à-dire, vous n'avez pas compris la biodynamique de la classe 1 ou c'est quoi la classe 1? Donc, précisez cette question. Deuxième question, quelle est la différence entre flexion et expansion? Bon, la différence entre flexion et expansion... Voilà. La flexion, voyez cet angle où il est mentionné négatif. La flexion, donc cet angle, il se ferme, il devient plus fermé, plus négatif. L'extension, cet angle, il s'ouvre. Il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, il amène avec lui la mandibule. Donc maxillaire avancé et mandibule en retrait. Oui, oui, je suis en train de répondre aux questions. Donc, c'est ça la différence entre flexion et extension. Donc, flexion, l'angle se ferme, et l'extension, l'angle s'ouvre. La rotation, quels sont les facteurs influençant la rotation? La rotation, c'est comme les os de la base du crâne sont déterminés génétiquement. Bien sûr, il y en a le facteur fonctionnel. La biodynamique de la classe 1. La biodynamique de la classe 1, donc c'est tout simplement, c'est entre les deux. Entre la flexion et l'extension. Donc, ce qui nous donne des rapports, donc juste avant que la séance... termine. Restez connectés, on va entamer par la suite, deuxième séance, on a dit pour vous répéter, pour que je vous répète la morphogénèse. Bon, revenons à notre question, la biodynamique de l'établissement de la classe 1. Donc, on a parlé de l'extension, l'angle s'ouvre, donc il amène avec lui la mandibule qui sera en retrait et nous donne la classe 2 maxillaire avancée. Et la flexion va pousser la mandibule en avant et donc mandibule avancée par rapport au maxillaire et que nous donne la classe 3. La classe 1, justement, squelettique, les deux bases osseuses doivent être en harmonie.
personne, maxillaire légèrement avancé par rapport à la mandibule. Pour cela, donc une rotation, il nous faut une flexion modérée, normale, d'accord, qui aboutit normalement à l'établissement de la classe. Un scolytique. Avec quoi? Avec une rotation horaire du sphénoïde. Le sphénoïde fait une rotation horaire dans ce sens, dans le sens d'aiguille d'une montre. Rotation, par contre, anti-horaire, on a dit de quoi? De frontal, de l'ethmoïde et de l'occipital. Donc ici, il s'ouvre et ici, de même. Fermeture de l'angle sphénoïdal. Celui-là, il s'ouvre, celui-là, il s'ouvre, celui-là, il se ferme d'une façon modérée. Rotation externe du maxillaire, donc il s'élargit légèrement postérieurement. Et rotation externe du temporal pour justement rattraper ce décalage, cet élargissement du maxillaire. Encore, il va faire une petite, rotation externe des mandibules pour avoir un rapport harmonieux entre les deux maxillaires. La classe ainsi physiologique, oui, c'est physiologique parce qu'on a un bon rapport entre base maxillaire et base mandibulaire. D'autres questions? Non, essayez de répéter le cours vous-même, c'est-à-dire prenez des stylos de couleur. Essayez de schématiser et prenez chaque pièce à part. Vous allez mieux comprendre. Il suffit juste de comprendre la rotation horaire et antihoraire de chaque pièce. Vous pouvez par la suite imaginer dans le cas où cette pièce se déplace dans ce sens, ça donne quoi, etc. Mais le principe en général, c'est clair. On a dit sphénoïde qui est la pièce maîtresse, donc qui va maîtriser toute la biodynamique à partir de cet angle. Soit il se ferme, soit il s'ouvre, bien sûr avec l'accent aussi du temporal qui... Temporal, pourquoi? Parce que le temporal, il est avec lui, c'est le lien entre la voûte et la mandibule. D'autres questions où tout est clair? J'ai dit non, c'est pas la même chose. La classe d'angle, c'est un rapport entre dents supérieures et inférieures, alors que la classe squelettique, c'est un rapport entre les bases maxillaires et mandibulaires. On peut avoir une classe squelettique de Ballard, ça s'appelle la classe de Ballard ou classification de Ballard. Classe 1 squelettique, alors qu'une classe 2 d'angle. Donc, c'est pas la même chose. Je pense que tout est clair, on peut lancer le deuxième cours, la morphogenèse des arcades dentaires. Vous me confirmez? Oui, c'est bon. Alors, il nous reste une minute, ça va se couper et je vais reprendre par la suite. Bon, je ne sais pas si vous voyez le diapo aussi changé. J'ai mis normalement morphogenèse. Vous voyez le deuxième cours, morphogenèse des arcades dentaires? Oui, d'accord. Donc, on répète le cours. Voilà, il ne reste pas beaucoup. Par la suite, je vais relancer encore la séance. Donc, commençons. Morphogenèse des arcades dentaires. Très bien, merci. Morphogenèse des arcades dentaires, on a toujours notre plan. Morphogenèse des arcades dentaires, je la résume dans le phénomène de dentition, c'est-à-dire les phases d'éruption des dents. Comme plan, on va voir un petit rappel sur l'embryologie de l'organe dentaire, formation des arcades dentaires, mécanisme et chronologie de l'éruption dentaire,
dans lequel on voit le mécanisme de l'éruption.